Salut les camarades Slash, je vous présente mon build Stormclaw pour la saison 5 de Diablo 4. Un build super sympa à jouer, ultra bourrin, résistant, avec de bons dégâts. Et même si on est plutôt sur du hors méta, vous allez voir qu'il est super cool à jouer et que vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez avec celui-ci. Je vous explique tout ça dans la vidéo et si jamais vous aimez le contenu, n'oubliez pas de suivre la chaîne. On commence avec le fonctionnement du build et on va aller récupérer 3 compétences défensives pour avoir de la fortification. Donc on a Hurlement Sanglant, on a Rempart de Terre, Nous Rendre Inarrêtable et Rugissement Débilitant pour encore plus de fortification. Donc comme ça, en activant ces 3 touches, on va être bien fortifié et ça c'est avec notre bénédiction qui est juste ici. Ensuite on a Ouragan, ça va permettre de debuff les dégâts des ennemis. Ça va aussi appliquer le visage d'Andariel si vous l'avez, donc comme ça c'est plus trop pratique. Et on va aussi récupérer Cataclysme qu'on aura grosso modo tout le temps. Ça va déjà attirer tous les ennemis avec l'unique qui est à ce niveau là. Ça va nous permettre de gagner beaucoup de dégâts de zone et aussi de rendre les ennemis vulnérables. Comme ça on va profiter du temps de recharge sur l'autre bénédiction qui est à ce niveau là, Calme avant la tempête, pour pouvoir baisser le temps de recharge de notre ultime. Ensuite on va jouer Griffe qui sera notre compétence de dégâts et qui va aussi lancer Coup de Tonnerre. Donc on va jouer sur les dégâts des 2 compétences de base qui sont juste ici et qui est permis avec le bâton de la vieille sorcière. Donc en gros on utilise notre ultime, on appuie ensuite sur les debuffs et les buffs et ensuite suffit de taper. Si jamais vous voyez que vous êtes étourdi ou que vous avez besoin de récupérer de la fortification, vous avez aussi votre rempart de terre, mais sinon voilà, et on récupère bien le temps de recharge sur notre ultime. On continue, on balance les cris, on balance l'ouragan. Et un dernier petit truc à savoir, c'est que si possible, vous voulez garder ce cumul de dégâts augmentés quand je change de forme. Donc, quand je vais utiliser mon cri d'ours, je vais transformer en ours, je vais repasser en loup. Quand j'utilise ouragan, je vais me transformer en humain, je vais repasser en loup. Quand j'utilise rempart de terre, pareil, je me suis en humain, je retourne en loup. Et quand j'utilise cataclysme, je me remets en humain, je me remets en loup. Et du coup, ça permet d'avoir comme ça les dégâts augmentés, qui est pas mal. Vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 24% de dégâts, et du coup, c'est plutôt cool. Pour les bénédictions, donc je vous en ai un petit peu parlé déjà, mais on va aller chercher dégâts subis réduits des élites. Ensuite, on veut des dégâts critiques. Vous voulez aussi la fortification quand vous utilisez une compétence défensive. Et après, vous allez prendre donc Calme avant la tempête pour réduire votre temps de recharge sur l'ultime et coup de chance surcharge pour avoir des dégâts supplémentaires de foudre. Tant que vous n'avez pas un visage d'Andariel, vous pouvez aussi partir sur Cruauté pour récupérer du soin sur votre druide. Pour l'équipement, j'ai fait pas mal de tests. Je vais aussi vous expliquer ce que vous pouvez changer si notamment vous n'avez pas encore les mythiques. Mais une fois que vous avez terminé le perso, ça sera bien d'arriver à cet état de bonhomme. Donc pour le casque, le visage d'Andariel qui va vous permettre d'avoir déjà pas mal de vitesse d'attaque, de récupérer du soin, ça sera parfait. Et en attendant, vous pouvez partir sur un ruissement de la tempête. Ça va booster vos dégâts qui sont sur coup de tonnerre. Si jamais en attendant, vous pouvez aussi prendre un légendaire avec l'aspect mastodonte pour avoir votre cape d'armure. Pour l'armure, Tyrael, idéalement, ça va vous permettre d'avoir pas mal de résistance, d'être beaucoup plus tanky. On va avoir 85% à toutes les résistances. On perd un petit peu de dégâts, donc si jamais vous voulez taper un peu plus fort, vous pouvez partir sur Loup Enragé, ou si jamais vous n'avez pas encore Tyrael, Loup Enragé sera aussi un très bon choix. Ensuite, pour les gants, les points du destin, ils sont vraiment parfaits pour baisser le temps de recharge de un petit peu tout ce qu'on a dans le build, donc très utile de récupérer ces points du destin. Vous pouvez aussi partir sur Dévoreur de Souffrance, qui va donner pas mal de temps de recharge, des bonus aux compétences basiques. On a un tout petit peu plus de dégâts, mais on a moins d'utilitaire, donc je préfère quand même partir sur les points du destin au final. Ensuite, pour le pantalon, vous voulez l'aspect de toute puissance pour les dégâts réduits quand on fait une attaque de base, de la volonté, de la vie, compétences basiques et aussi en trempe de la vie et de la taille pour ouragan. Pour les bottes, vous avez volonté, vie et armure. C'est important d'avoir bien ce rôle d'armure. Bon, là, il est en affixe supérieur, c'est pas très grave, mais vous pouvez l'avoir en affixe normal, comme j'ai un petit peu trop d'armure. Mais voilà, vous voulez récupérer l'armure sur vos bottes, durée d'effet de contrôle et démarche de digitigrade pour augmenter votre vitesse de déplacement lorsque vous êtes en loup. Pour l'aspect, vous avez plusieurs choix. Si vous faites un peu des trucs polyvalents, l'aspect d'agitation est pas mal pour réduire le temps de recharge de vos compétences. Si vous faites plutôt de la horde, partez sur métamorphose, comme il y a beaucoup de CC, et comme ça, ça vous donnera une source d'inarrêtable supplémentaire. Pour le bâton, donc bâton de la vieille sorcière, faites très attention, j'ai laissé comme ça pour vous montrer. Vous voyez qu'il est sur 12/12, mais que j'ai que des dégâts critiques qui sont en jaune parce que mon troisième perfectionnement est parti sur coup de tonnerre qui se propage à Druid, Stormstreak, Hit, Additional Target, Cible supplémentaire, etc. On s'en fiche, mais du coup, faites très attention quand vous perfectionnez votre bâton à ne pas tomber sur cette stat. Donc je vous l'ai laissé, vous le voyez bien, on avait un peu le même souci sur le grand-père avant, et faites donc bien attention à votre perfectionnement sur votre bâton. Ensuite, vous partez sur 2 anneaux uniques, volonté inébranlable d'Aidira pour pouvoir avoir les ennemis attirés pendant votre ultime, et on veut aussi le Mjolnik pour booster vos dégâts globaux quand on est sous ultime. Idéalement, sur ces 2 anneaux, si vous voulez optimiser le build, vous voudrez vraiment récupérer
plus de chances de critique, donc plutôt un perfectionnement sur le chance de critique, et du temps de recharge sur votre ultime. Il me manque 4-5 secondes pour être vraiment optimisé, on va dire. Donc voilà, si jamais vous avez envie de pousser un petit peu le truc, essayez d'avoir un perfectionnement sur du temps de recharge sur l'ultime, et ici un peu plus sur les chances de critique. J'avais aussi fait pas mal de tests sur le CS en étoiles, en utilisant une compétence principale pour récupérer le bonus de dégâts, mais au final c'était moins utile que ces deux anneaux. On termine avec l'amulette, crépuscule. Vous allez comme ça récupérer des dégâts aux compétences de base pendant 10 secondes, et dessus, volonté, chance de critique. Si possible, à la place de la vie, vous voulez récupérer le passif qui est ici, donc envenimation. Si jamais vous voulez avoir une très bonne amulette, il vous faudra ce passif à ce niveau-là. Mais sinon, voilà, prenez autre chose, du coup chanceux éventuellement. Et dessus, on veut soit des dégâts critiques, soit des dégâts des compétences de foudre et du temps de recharge pour cataclysme. Pour notre arme de compétence, on va partir sur coup de tonnerre, le fait qu'il va se propager aux ennemis, et on va aussi récupérer sur griffe le fait qu'on puisse avoir deux fois une attaque avec griffe. Ensuite, on descend. Vous mettez les points qui vous restent ici en chance de critique et on va les récupérer la fortification sur le rempart de terre. Vous voulez sur le hurlement la vitesse d'attaque, sur le rugissement la fortification, et on veut aussi bien les 3 points pour la réduction de dégâts après avoir utilisé une compétence défensive. Ensuite vous descendez, on prendra juste un point pour une chance d'immobiliser les ennemis, et on veut 3 points ici pour avoir un éclat de foudre sur les cibles qui sont vulnérables. Ouragan, avec les dégâts réduits aux cibles qui sont touchées par ouragan, 3 points juste là pour les dégâts de magie naturelle aux élites, et aussi bien sûr les dégâts augmentés critiques sur les cibles qui sont empoisonnées. Faites très attention, si vous n'avez pas encore le visage d'Andariel, mettez absolument un point ici pour que les ennemis soient empoisonnés, mais une fois que vous l'avez, vous pouvez l'enlever et le mettre autre part. Ensuite, sur Cataclysme, on va chercher le fait que les ennemis soient vulnérables. C'est notre seule source de vulnérabilité, donc pensez bien à le mettre. En attendant, si vous n'avez pas assez de temps de recharge sur Cataclysme, vous pouvez aussi le récupérer ici. Mais une fois que votre personnage est optimisé, on va plutôt le chercher juste là. Derrière, on met 3 points pour les dégâts réduits sous fortification. Et vous pouvez mettre aussi 3 points à ce niveau-là pour avoir la durée d'effet de contrôle qui est réduite. Ensuite, 3 points ici donc pour les dégâts quand on va se métamorphoser. Et vous pouvez mettre à la place, si vous préférez de ça, vous mettez aussi la réduction des effets de contrôle. Donc notamment si sur vos bots, vous jouez métamorphose, à la place de ces 3 points là vous pouvez les récupérer ici pour des dégâts réduits. Pour terminer avec le passif ultime, une fois que vous avez votre Tyrael, vous avez quand même plutôt envie de jouer la tempête parfaite, vous allez récupérer plus de dégâts. Si jamais vous êtes toujours sur l'allégresse du loup enragé, on récupère des bonus quand même à notre férocité lupine, donc ça peut être intéressant de récupérer ça tant que vous n'avez pas la Tyrael, enlevez-le et plutôt vous partez donc sur tempête parfaite. Pour le parangon, premier glyphe, on va prendre lycanthrope, dégâts sous forme de loup. Ensuite, vous remontez, on prend les dégâts critiques, foudroiement pour les dégâts des compétences de tempête. On reprend les dégâts critiques, on prend le glyphe de pistache pour les dégâts sur les cibles qui sont empoisonnées. On prend bien les nœuds qui sont ici. Vous partez à droite, on va pas prendre lycanthrope comme on n'a pas besoin de génération d'esprit. On prend par contre stoïsme, dégâts pendant la fortification et dégâts réduits sous fortification. Vous partez à droite, c'est le plateau des vrilles constructrices, on prend le glyphe esprit pour les dégâts critiques, vous pouvez prendre ce nœud aussi qui est pas mal pour les dégâts supplémentaires, vous descendez, c'est le plateau de malveillance décuplée, et derrière vous prenez ce glyphe dégâts de foudre. Une fois que ça c'est fait, on remonte, on va chercher le dernier glyphe qui est juste ici, territoire, dégâts contre les cibles proches et dégâts subis réduits, et c'est le plateau de guide ancestral. Je termine comme d'hab avec le gameplay et je vous ai mis un petit peu de tout. Hein. Vous allez voir, vous pouvez tout faire avec ce druide, même si bien sûr on est sur un hors méta, donc c'est un petit peu plus long. Mais n'empêche que vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, que ce soit de la horde T7, de la Lilith, des boss de niveau 200, de la fosse, etc. Donc je vous ai mis tout ça et on se retrouve à la fin de la vidéo.
Merci Darvus Build, j'espère que le druide Stormclaw vous plaira et que comme ça vous pourrez mettre des gros coups de griffe sur les méchants. Comme d'hab, bien sûr, vous avez le lien en dessous de la vidéo avec toutes les infos sur le build, le builder, les explications, etc.